Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Et aujourd'hui on va au Get Beauty avec ma maman. Ma gentille maman qui fait ça pour moi. Elle est trop mignonne. Bref, donc les Get Beauty c'est un salon de youtubeuses beauté. Et voilà, c'est tout en fait. Mais du coup on y va. Et voilà, donc là on est sur la route, j'ai le soleil en plein milieu de la figure, ma mère se fiche de moi, tout va bien. Il est 7h22, je suis claquée, mais tout va bien. On va passer une bonne journée, ça va être cool. Donc je vous retrouve là-bas. Bye! Get Beauty. Pardon. Donc là, présentement, il est 21h06, mais on est rentré vers 5h30, un truc comme ça. On s'est reposé parce qu'on avait les pieds mis en sang, le dos en compote, tout ça. Mais franchement, c'était une super journée. J'ai trop kiffé, c'était trop bien. Donc j'ai pu voir Caro, Beauté Active. J'ai pu voir The World of Sister. Ah, c'était trop mignon. C'était trop cool. Et j'ai vu ma belle Georgia qui m'a reconnue. Je revenais pas et elle se souvenait que je lui avais dit que j'avais une chaîne YouTube. Enfin, comment vous dire que là je suis au sommet du sommet de je sais pas, hein, mais c'était trop cool. On a eu le bracelet avec écrit
Get Beauty avec Rimmel London. Donc il est tout rose, il est tout beau. Et en plus, avec leur attache comme ça, il tient vachement bien. Bref, je voulais vous montrer un peu ce qu'on a eu. Donc, faut que j'essaie de démêler les trucs. Donc que je vous montre. On a eu le tote bag avec Get Beauty, le petit tote bag comme ça, avec le hashtag et où les retrouver. Voilà, donc on excuse ma chambre pas rangée, bien évidemment. J'ai celui de ma maman ici. On a eu un petit bracelet de chez Nocibé qui sentait la pêche pour le mois. Et ma mère, elle avait pris celui qui sentait la noix de coco. Ensuite, on a eu ce petite pochette trop mignonne de chez Nocibé où j'ai mis en fait tous les petits produits qu'on a reçus pour pas les perdre. Donc on a eu une jolie lime de Panasonic Beauty. Voilà, vachement bien emballée. Elle est dans un paquet en plastique aussi, mais je sais pas où elle est. Et vous voyez, il y a un petit plastique dessus, donc vachement cool. On a eu un petit échantillon de Amour Amour de chez Cacharel. On a eu un échantillon d'un mascara, c'est le Mini Fantasize Eyes de chez Nocibé. Donc je suis très contente, comme ça je pourrais le tester. Pardon. De chez Nocibé aussi, on a eu un petit masque nourrissant. Voilà, donc la lumière est horrible, on ne voit rien, mais c'est pas grave. De chez Rimmel, on a eu un joli vernis un peu rouge orangé de la gamme en fait Rita Ora, enfin qu'ils ont fait avec elle. C'est le 300, le Glastonbury. Voilà, vachement cool. Et un full size d'un mascara Rimmel, le Super Curler 24 heures. C'est pas leur dernier si je crois, je sais pas, mais je suis vachement contente parce que leurs mascaras ils sont vraiment top. Et du coup, ça, c'est vachement bien. Ensuite, il y avait un stand As You Like. Et du coup, ils nous ont filé le magazine. Donc, je suis trop contente. Parce que j'aime bien ce magazine. Il est vachement bien. Et en plus, là, il y a la petite Caro. Ah, la petite Caro. Donc voilà, je suis trop contente. Et on a fait une petite photo aussi. Parce qu'il y avait un stand où on pouvait faire une photo comme si... on faisait la couverture du magazine. Donc, attendez que je vous l'attrape. Voilà. Ouh, vachement cool. Je suis avec ma petite maman. Donc c'est vraiment cool parce qu'on a vraiment l'impression de faire partie de la couverture. Et je trouve ça trop cool quoi. Ensuite dans le tote bag il y avait une petite surprise aussi de Feel Unique. Que je ne connaissais pas du tout. Et du coup c'était une très bonne surprise. Donc on a une petite carte. Les filles heureuses sont les plus jolies. C'est vraiment trop mignon, enfin, on a eu vraiment plein de choses, donc le petit programme, hein, donc là c'est un propre que je vais pas utiliser, mais voilà, donc le petit programme avec ce que c'est, ah oui, du coup, oui, c'est le dernier mascara qu'ils ont sorti, oh, c'est vachement cool ça, donc il y avait le plan, le planning des meet-up, ce qui se passait à la scène. Ah bah non, c'est le mien. J'ai eu mes petites signatures, de Caro, celle de The World of Sisters, donc Dios et Shay, et de ma petite Georgia. Donc je suis trop contente. Enfin, c'est vraiment sympa qu'il y ait une petite page pour pouvoir écrire. Donc voilà le petit bracelet. Pour que ça focus, ça serait sympa. Voilà le petit bracelet, donc celui-là c'est celui de ma maman, elle me l'a laissé. Et en fait dans le tote bag on avait plein de petits coupons, donc on a des coupons Nocibé, on a eu une carte pour la sortie du nouvel album d'Ariana Grande, donc je trouve ça vachement cool, en plus la photo est trop belle, donc ça je vais les garder, je vais les accrocher quelque part dans ma chambre. On a aussi un petit mot de Ma Beauté Luxe, donc c'est une box en fait avec des produits de luxe et du coup on a 20% avec ça. On a eu une petite carte YouTube aussi où il y avait un défi à faire, mais le défi il était pas ouf. Alors je sais pas pourquoi on a 3 programmes, hein, mais on en avait 3. On a aussi un bon de réduction pour Rimmel chez Monoprix. Et ça, c'est nos petites places. Donc, il y a nos noms dessus. Donc, je vais pas vous les montrer. Mais voilà. Voilà, donc c'était...
Bon, je trouve qu'on a été plutôt gâtés quand même dans le tote bag, parce que là j'ai rien acheté en fait, parce que je voulais aller au stand NYX, mais il y avait trop de monde, il y avait genre 1 heure de queue, tout ça pour aller au stand pour voir en fait si on pouvait acheter. Et franchement, j'avais aucune envie de faire la queue pendant 1 heure pour éventuellement m'acheter un encre de rouge à lèvres, quoi. Donc j'y ai pas été, je suis trop déçue, mais bon, au pire, je commanderai sur le site, c'est pas grave. Parce que du coup, vu que j'en ai parlé toute la journée à ma mère, elle m'a dit, oh, on ira voir sur le site quand même. Donc voilà. Pardon. Sinon, franchement, l'organisation était beaucoup mieux, hein, parce qu'il y avait vraiment des files en fait pour chaque youtubeuse qui faisait un meet-up. Il y avait un gars de la sécurité en fait pour nous faire passer. C'était vachement bien. Et puis elle se trimballait pas avec 40 vigiles comme au Video City. Enfin. Non, pardon, je sais pas ce que j'ai. Vraiment, elle se prenait pas la tête. Enfin, on pouvait déjeuner partout dehors en plus. Donc c'était au parc floral. Je sais même pas si je vous l'ai dit, je crois pas. C'était au parc floral à Vincennes. Donc on pouvait en fait emmener notre pique-nique et aller manger dans le parc. Mais avec ma mère, on avait déjà un peu mal aux pieds, donc on a mangé autour. Mais en fait, il y avait la grosse salle et tout autour, en fait, il y avait des portes pour qu'on puisse sortir. Du coup, n'importe où, on pouvait sortir pour aller manger. Et c'était vachement agréable. En plus, au début, on était en plein soleil. Donc franchement, c'était trop cool. En plus, j'ai rencontré des filles que je connaissais déjà. Donc je vous fais des bisous, les filles. Puis j'ai rencontré une gentille fille au déjeuner. Donc, enfin, c'était vraiment sympa. J'ai rencontré mes youtubeuses préférées et des filles hyper sympas avec qui j'ai passé toute la journée, hein, partant. Oui, il y en a, je les voyais à ce moment-là, d'autres à d'autres. Mais voilà, c'était vachement sympa. Donc, vraiment bonne ambiance aujourd'hui. Le seul problème, c'est que, en fait, du Get Beauty au RER, il y avait plus d'un kilomètre de marche. Donc le matin, ça allait, mais le soir, sous la pluie, les pieds, ils étaient en sang, le dos en compote. C'était horrible, c'était atroce. Le pire moment de toute la journée. Mais franchement, sinon, c'était grave cool. Donc, merci maman d'être venue avec moi. Trop gentil. Mais voilà, ouais, non, vraiment sympa. Bien évidemment, comme d'habitude, je vous ai pas filmé grand-chose, mais j'ai essayé et je vous mets les photos trouvées sur mon Instagram qui s'affiche ici, bien évidemment. Et dans la barre d'infos, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux aussi, ça me ferait très plaisir. Et moi, sur ce, je vais vous dire bonne nuit, parce que là, je vais aller me démaquiller et me coucher, parce que j'ai mal partout et je suis fatiguée. Je me suis levée quand même à 5h30 du matin ce matin. Bah oui, ce matin, forcément. Du coup, c'était un peu dur, mais bon, ça valait le coup, franchement. Donc, si jamais mes petites youtubeuses passent par ici, Caro, Shay, Dioz et Georgia, je vous fais des gros bisous. Johan, le copain de Caro, je te fais des gros bisous aussi, merci pour les photos. Et Arnaud, me semble-t-il, le copain de Georgia aussi, je te fais des gros bisous aussi, parce qu'il était très sympa. Donc voilà, je fais des gros bisous à tout le monde, je vous en fais des tonnes. Et je vous dis, à la semaine prochaine. Bye!